Bonjour ou bonsoir mes abonnés et à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, j'ai un nouveau talisman pour vous. C'est un talisman qu'il faut faire le matin, n'importe quel jour. N'importe quel jour, mais le matin, une demi-heure ou une heure après le lever du soleil. Et ne dépassez pas midi. Si tu ne peux pas le faire à 8h ou 9h, tu peux le faire 10h, 11h, mais pas plus tard. Alors c'est un talisman très facile, comme les autres talismans. Et ce talisman, ne pas avoir ses règles quand tu vas le faire sur un papier blanc non souligné, surtout, il ne faut pas qu'il soit souligné. D'accord? Moi, je vais le faire là parce que... Et ça, c'est pour les gens qui souffrent de sommeil, qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Arrête les cachets, arrête les somnifères. Moi, je te dis, tout de suite, arrête les somnifères. J'ai une solution pour toi. D'accord? Et cette solution est très facile. Il suffit d'écrire le talisman, d'accord? Et le poser sous ton oreiller. Si t'es quelqu'un qui dort sans oreiller, tu peux le mettre sous un draus. Comme je fais moi. Moi, je n'aime pas l'oreiller. Je dors, je le retire, l'oreiller. Voilà, je retire l'oreiller pour dormir. Alors, je mets le talisman sous mon draus. Il faut être propre, hein, de la tête aux pieds. Quand tu l'écris ce jour-là, il ne faut pas avoir ses règles. Quand tu le fais, il ne faut pas avoir ses règles. Mais quand tu le mets sous ton oreiller ou sous ton draus, il n'y a aucun souci, tu peux le laisser. Parce que le talisman, il sera sous ta tête, mais pas sous tes fesses. D'accord? C'est-à-dire, tu peux le laisser. Même pour une femme, si tu as tes règles, celui-là, il est différent des autres talismans. Tu le laisses sous ton oreiller ou sous ton draus. À faire n'importe quel jour. Sauf, il faut le faire le matin. Il ne faut jamais... Les talismans que je vous donne... Faites très attention quand il y a la pleine lune. Il ne faut pas qu'il y ait la lune. Même pas un quart de lune. Vous attendez, vous regardez sur Internet. Et puis voilà, sur Internet, vous allez sur Google. Et là, vous avez des... Tous les jours, ils mettent à disposition les quarts de lune, un quart de lune, demi-lune. Voilà. Vous attendez qu'il n'y a plus de lune. Parce que les talismans que je vous donne... ne conviennent pas à la lune, ne s'entendent pas avec la lune. Et du coup, donc, avec la pleine lune, vous m'aviez compris, d'accord? C'est un talisman très, très facile à faire. Et si vous connaissez des gens qui souffrent, par exemple, qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit, parce que c'est normal, parce qu'on a des soucis d'argent, on a des soucis de facture, on a des soucis, ça ne va pas avec la famille. C'est souvent comme ça, vous voyez? Des gens qui sont soucieux, ils vont dormir, ils bâillent, ils sont crevés, ils vont au lit, tac, les yeux ouverts, ils n'arrivent pas à dormir. D'accord? Écoutez, moi, je dors avec ce talisman. Parce que je suis quelqu'un qui... c'est pas les soucis, mais c'est comme ça. C'est le sommeil très difficile. Alors, je vous prépare. Moi, si je le retire, eh ben, je ne vais pas dormir. Je vous prépare le talisman. D'accord? Je le mets en gras, comme ça. Voilà. D'accord? Et ce talisman, je vous l'approche. Comme ça. Ça, vous aurez le temps de le faire. Ça, c'est en gras. Ne tenez pas compte de ce... C'est en gras, parce que je l'ai écrit, il était pas foncé. Voilà. C'est ça. N'écrivez pas ce qu'il y a derrière. Hein, parce qu'à cause... Voilà, je vous le fais comme ça. Comme ça, vous ne voyez pas l'écriture derrière. Je vous prépare. J'attends que vous l'écrivez tranquillement. Pardon. Alors, ce talisman, il faut le prendre
faut le plier à votre façon, plier comme ça, et vous le mettez sous l'oreiller ou sous un drap housse, d'accord? Et vous allez voir comment vous allez dormir. Vous n'aurez aucun souci de sommeil. Vous allez dormir. Ah oui, excusez-moi, je suis désolée. Ici, j'ai oublié ton prénom. Et là, prénom à ta maman. Excusez-moi, je suis désolée. Prénom à ta maman. D'accord? Désolée à mes abonnés et à mes nouveaux abonnés. Ton prénom à toi à droite et le prénom à ta maman à gauche. D'accord? Je mets en gras. Sinon, vous allez croire que c'est un point que j'ai mis. Voilà. Ton prénom à droite. Le prénom à ta maman à gauche. Il faut bien que j'explique. Hein, si je mets longtemps à parler dans mes vidéos, je suis obligée. Comme ça, vous comprenez ce que je dis. D'accord? Vous l'écrivez. Il faut que vous soyez propre ce jour-là. Et vous le mettez sous un oreiller ou sous un drap housse. Et vous allez dormir. Je vous assure, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez comment ce talisman va marcher. C'est un truc incroyable, mais vrai. D'accord? Je vous l'approche une dernière fois. Voilà, ton prénom à droite, le prénom à ta maman. Voilà. Alors avec ce talisman, vous allez pouvoir faire des nuits. Pas comme un bébé, parce qu'un bébé, c'est pas vrai. On ne dit pas on dort comme un bébé, c'est pas vrai. Parce que le bébé, il se réveille la nuit. Alors moi, j'ai aidé des enfants, des bébés qui pleurent, même des enfants qui réveillaient leurs parents, des collègues de travail. J'ai une collègue de travail, sa petite fille, quand elle vient chez elle, me dit, oh là là, elle me dit, chez ses parents, elle dort pas. Et quand elle la garde le week-end, elle dort pas. Ben, je lui dis, ben, tiens, elle me dit, comment ça? Je lui dis, je vais te faire un talisman. Je lui dis, mais il faut croire. Si tu dis tout de suite, oh non, je ne crois pas, ça ne va pas marcher. Elle m'a dit, bah, fais-le-moi. Eh bien, je vous assure que la petite, il ne faut pas que les enfants le savent. Bon, un bébé, il ne va pas... tu le mets, tu sais quoi? Tu ne le mets pas sous l'oreiller pour les enfants. Et les bébés, tu le mets entre le... dedans, entre l'oreiller et le... comment on appelle ça? Et la tête d'oreiller, d'accord? Eh bien, sa petite fille, quand elle vient, elle me dit, c'est la joie de la garder. Parce qu'elle a essayé aussi de l'empêcher de dormir, de faire des siestes. Elle m'a dit, je la sors, je la marche, je l'emmène marcher pour pas qu'elle fasse la sieste, mais le soir, elle n'arrive pas. Eh bien, je vous assure que la petite, elle dort. Ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de me mettre, de vous abonner à ma chaîne pour les non-abonnés. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos et n'oubliez pas de donner ce talisman pour les gens, les personnes âgées ou adultes ou importe, pour qu'ils puissent dormir et faire des nuits d'ange. Allez, gros bisous!